aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza e tutti, colpiti da una curiosità, sospendono per un istante l'ora e guardano dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Est-ce que tu connais le test de Turing? Oui, je sais. C'est quand un être humain, donc, a une interaction avec un ordinateur, et si l'humain ne comprend pas qu'il s'agit d'un ordinateur, alors le test a été donc bien passé. Et cela a quel type d'information nous donne que l'ordinateur est une intelligence artificielle? Ah, tu es en train de bâtir une intelligence artificielle? Ah oui, j'en ai déjà réalisé une. Et tu seras la composante humaine dans les tests de Turing. Oh mince! Ah oui, Caleb, tu as compris, parce que si tu vas donc passer le test, tu seras au centre du plus important événement scientifique de l'histoire de l'homme. Si tu as créé donc une machine consciente, il ne s'agit pas de l'histoire de l'homme, mais c'est l'histoire des dieux.
Buongiorno a tutti. Mesdames et messieurs, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être présent. Le dialogue que Gianpiero Bartolini, notre comédien, vient de lire, est tiré du film Ex Machina. Et notre réunion d'aujourd'hui s'intitule « La machinisation de l'homme et l'humanisation de la machine ». Tel est notre thème d'aujourd'hui. Cette rencontre résulte de deux hommes passionnés, deux hommes pleins de passion, la passion pour l'homme, la passion pour l'élément irremplaçable que tout homme est, que toute femme est, que toute personne est, que tout être vivant est. Une passion pour l'être humain et pour sa vie, pour le sens de la vie, parce que entre fonctionner ou exister, comme s'intitule le livre de Miguel Benazayag, il y a une grande différence. C'est une passion parce que la singularité du vivant et de l'être vivant, son unicité, son être toujours en relation avec d'autres, son irréductibilité, bon, il s'agit de quelque chose dont nous devons prendre conscience aujourd'hui plus que jamais. Le risque, mais il s'agit plus qu'un risque, est celui d'être assimilé de plus en plus à des machines et de se déplacer, de fonctionner comme des machines. Et inversement, d'avoir affaire de plus en plus dans notre réalité à des machines envahissantes, mais désormais indispensables. Oui, elles sont déjà indispensables. Mais quel est le prix à payer? Miguel parle souvent d'hybridation, mais dans ses études, il parle aussi des risques ainsi que des altérations neurophysiologiques de cette hybridation. Paolo Benanti parle d'amélioration de l'humain à travers différents supports chimiques, organiques et inorganiques qui font partie de notre expérience et de notre vécu et ne sont plus les sujets ou les objets de films dystopiques. Et voilà. Maintenant, une petite introduction de nos invités, nos amis, les hommes passionnés qui sont à côté de moi ici aujourd'hui. Miguel Benazayag, pour la première fois ici au meeting, donc s'il vous plaît, accueillons-le comme il faut. Merci. Est né en Argentine où il a étudié la médecine, tout en militant dans la guérilla guevariste pendant la période de la dictature. Arrêté à 3 reprises, il a été torturé et a passé 4 ans en prison. Miguel, grâce à sa double nationalité franco-argentine, débarque en France en 1978, où, tout en poursuivant ses activités de militant, il commence ses activités cliniques et de recherche en s'inspirant du courant de l'antipsychiatrie et de la psychanalyse phénoménologique sous la direction du philosophe et sociologue Pierre Ansart à l'Université de Paris 7. Vers la moitié des années 80, il a fondé avec d'autres personnalités le collectif Malgré tout et il a contribué à la rédaction du manifeste du réseau alternatif de résistance. Il vit aujourd'hui à Paris où il poursuit son travail de psychanalyste et de chercheur à l'interface entre épistémologie et biologie en se concentrant surtout sur les problèmes de l'enfance et de l'adolescence. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages à succès dont beaucoup ont été traduits en italien, notamment Le cerveau augmenté, l'homme diminué, Au-delà de passions tristes, qui a été cité à plusieurs reprises ici au meeting, même par le cardinal Zuppi sur le thème principal du meeting, Fonctionner ou exister, la tyrannie de l'algorithme, la singularité du vivant. Et puis, passo a Paolo. Paolo. Je passe à Paolo. Paolo est à sa 4e visite au meeting. Il est un franciscain régulier du Tiers Ordre, professeur à l'Université pontificale grégorienne où il travaille sur l'éthique, la bioéthique et l'éthique des technologies. En particulier, il travaille sur l'Internet et l'impact de la transformation numérique. Il étudie la biotechnologie pour l'amélioration de l'homme et la biosécurité, les neurosciences et la neurotechnologie. En 2008, il a obtenu son doctorat en théologie morale à l'Université pontificale grégorienne avec une thèse intitulée
le cyborg, corps et caractère du corps dans l'époque post-humaine. Et il a remporté le prix Bellarmino Vedovato en 2012. Et il a été membre de la cellule de réflexion sur l'intelligence artificielle pour aider l'Agence pour l'Italie pour la transformation numérique. Il est membre de l'Académie pontificale pour la vie avec un mandat particulier pour le monde de l'intelligence artificielle. Depuis 2018, il fait partie d'un groupe de 30 experts sélectionnés par le ministère du développement économique pour élaborer la stratégie nationale pour les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle et la blockchain. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, dont Post-humain, Trop post-humain, Réalité synthétique de l'aspirine à la vie, L'ère numérique, la théorie du changement d'âge, Je me souviens de trop de choses et L'humain dans la boucle qui va bientôt paraître. Alors, maintenant, aujourd'hui, ici, d'après ces titres, La machinisation de l'homme et l'humanisation de la machine, c'est entamer une conversation avec des invités et nos amis sur 6 thèmes qu'on va afficher donc à l'écran derrière nous. L'essere umano. L'être humain est-il en crise? Et de quoi, par quoi est cette crise de l'être humain caractérisée? Paolo, tout d'abord, bienvenue et bien retrouvé. Je suis toujours très content d'être là avec vous. Alors, on pourrait répondre de plusieurs façons différentes à cette question. Essayons donc de retracer d'un point de vue archéologique cette crise. Bon, pour ceux qui s'occupent des technologies, il faut dire donc que les machines ont lancé un premier défi aux êtres humains au 19e siècle avec la révolution industrielle. Et donc, une compétition a commencé entre le muscle de l'homme et cette nouvelle forme d'énergie souple et portative qui a engendré après l'industrialisation. Et voilà donc que, de par la révolution industrielle, ces phénomènes qu'on a définis ainsi, les muscles de l'homme donc se sont retrouvés en concurrence avec la force de la machine. Mais c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, au moment où les efforts de guerre ont réuni les plus grandes intelligences pour soutenir les nations, il y a eu une autre révolution silencieuse, mais pas moins efficace, qui a concerné les poches de chacun de nous. C'est Michel Edward Shannon qui a eu besoin de créer une nouvelle catégorie pour répondre à une question technologique. Comment pouvons-nous faire en sorte qu'un message de Londres arrive à Washington et de Washington arrive à Londres de façon sûre? Et alors, il a élaboré une nouvelle théorie de l'existence et c'est l'information. L'histoire parfois est drôle car dès qu'on a donc dévoilé ses travaux, il se souvient d'une indication qui lui venait de son mentor du doctorat et lui a dit « Edward, si tu veux que les gens ne te posent pas trop de questions, tu dois donc avoir recours à l'entropie. » Alors, qu'est-ce que c'est que l'information? D'après Shannon, l'information, c'est quelque chose que le petit diable de Maxwell, celui qui avait fait en premier la théorie sur l'entropie, pour comprendre quelles molécules de gaz chaud faire passer ou ne pas passer à l'intérieur d'une boîte fermée. Alors, au 19e siècle, la physique s'occupait de choses qu'on ne voyait pas. Alors, il fallait faire des expériments mentaux pour essayer d'expliquer ce qu'on analysait. Et alors, pourquoi, de par la chaleur, de par le travail, on n'arrive pas à tout expliquer? Et Maxwell, donc, essaie de faire ça avec ces tests de l'entropie et du petit diable. Mais Shannon, grâce à une opération intellectuelle vraiment réussie, pose une autre question. De quoi ces petits diables ont besoin pour comprendre quelles molécules faire passer
et quel ne pas faire passer. Et alors, c'est un octet d'informations. Donc, un passe, zéro ne passe pas. Et donc, ordre et désordre sont associés à information et bruit. À partir de ces moments, tout ce qui génère une différence peut être perçu comme une information. La différence, qui fait la différence, et je cite Shannon, peut donc générer une information. Et donc, c'est généré par l'information. Voilà donc que la révolution industrielle connaît une nouvelle accélération, car la différence qui fait la différence, c'est une notion primordiale pour gérer les comportements d'une machine. L'une des premières œuvres de Shannon, c'est une petite souris mécanique, Thésée, qui s'inspire du personnage de la mythologie, qui donc cogne sur le mur d'un labyrinthe avec donc son visage, et donc choc après choc, donc la petite souris arrive à trouver la sortie du labyrinthe. C'est un petit peu comme les petits robots automatiques que l'on utilise aujourd'hui pour faire donc le ménage. Je ne vais pas citer de marque. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la première fois en 1948? Une machine cesse d'être simplement un muscle mécanique, mais une machine semble avoir une qualité qui auparavant appartenait apparemment seulement aux êtres humains. C'est-à-dire, une machine arrive à trouver une sortie. Une information mise en relation à une machine donne à la machine une capacité qui n'appartenait auparavant qu'au vivant, c'est-à-dire avoir un fin. Et donc, les années s'écoulent et on améliore et on théorise davantage ces idées. Il y a les experts de cybernétique qui donc s'y réunissent en un groupe. Aujourd'hui, on y fait plus attention. Si donc on passe par un faisceau de lumière en sortant d'un ascenseur, ça change donc l'information et vous voyez, donc on a l'impression que les ascenseurs sont intelligents, car si on fait l'acte de sortir, donc les portes restent ouvertes. Et donc la technologie civile transforme notre relation aux machines. Et en 1982, il y a une autre chose qui se passe. Le 1er janvier 1982, le magazine Time donc décide d'élire comme homme de l'année une machine et non pas une personne, c'est l'ordinateur. Et dans l'article accompagnant donc cette désignation, dit l'ordinateur est super, toujours prêt, il va accompagner vos enfants. Et sur la couverture, l'on voit un petit homme gris, un peu recourbé, et voilà. Et donc, et puis on voit un ordinateur allumé et tout bariolé à côté sur une table. Et puis on arrive en l'an 2000, et grâce aux cross-plateformes du numérique, on arrive à obtenir une quantité de données, une capacité de calcul jamais eue auparavant, et des algorithmes mathématiques capables donc de prévoir ce qui va se passer à l'avenir. Et donc, les intelligences artificielles commencent à marcher. On a donc le début de l'ère de l'intelligence artificielle. Et pendant la pandémie en 2020, la plupart d'entre nous a vécu dans le monde discret du numérique. Et on a découvert comment, de facto, le numérique constitue un véritable continent où il y a plusieurs sujets, les algorithmes. Voilà. Tout ça pour dire que l'homme est confronté donc à une autre espèce sapiens. Il s'agit d'une machine. Et cela donc va nous poser des questions sur notre singularité. On était le seul sapiens sur la Terre auparavant. Maintenant, qui sommes-nous? Alors, qui sommes-nous, Miguel? L'être humain, à ton avis, est-il en crise ou pas? Bon, tout d'abord, bonjour. Je vais parler une langue personnelle, l'itagnol, qui plus ou moins est assez compréhensible. Alors, je pense que tu as bien fait à parler d'être humain et d'humanité, car en fait, il faut faire la part de choses. Il est vrai que l'humanité se trouve dans une crise profonde. Il s'agit d'une crise structurelle. Et sa façon d'habiter le monde, sa façon d'établir des relations avec les autres espèces et l'écosystème est en crise. Nous sommes conscients de l'anthropocène, c'est-à-dire
Cet âge dont tu as parlé, Paolo, et c'est l'époque pendant laquelle l'homme commence à devenir de plus en plus important pour la planète et surtout qui exerce une influence importante sur la planète. Et il y a des modifications qui se passent malgré l'homme. Et parfois, ces modifications enclenchent des destructions. Et alors, aujourd'hui, on se pose des questions sur le rôle, la place, les possibilités. Et alors, il faudrait atteindre une nouvelle alliance aujourd'hui, comme Perry Goggin disait, une nouvelle façon de vivre le monde, d'habiter le monde. Et dans ce sens, la révolution numérique, effectivement, arrive à un moment où vraiment le changement, comme Simone Donne le dit, la façon d'exister est en train de changer radicalement. Et alors, comme Paolo le disait, le vrai problème n'est pas définir la machine, mais c'est la puissance du numérique qui nous force à nous demander qu'est-ce que c'est que le vivant. Je ne fais pas allusion uniquement à l'être humain, mais je parle du vivant en général. Quelle est la singularité du vivant? Parce que nous sommes tellement fascinés par les possibilités offertes par les machines qu'on oublie parfois cette singularité. Il n'est pas possible de jeter un regard sur l'avenir de par donc un miroir rétroviseur. C'est pas possible, ce serait des mensonges. Il faut regarder la réalité autour de nous et jeter un regard sur l'avenir. Et il faut essayer de comprendre comment les vivants pourront partager le reste du monde avec cette puissance énorme du numérique. C'est ça le défi, c'est comprendre comment, disons, réaliser une hybridation. Car maintenant, nous sommes colonisés. Ce n'est pas qu'on est colonisé parce que les machines nous demandent des choses. Les machines ne nous demandent rien. Mais si les machines arrivent à écraser les compétences et les qualités du vivant, ce n'est pas parce que ce sont les machines qui veulent ça. C'est parce que c'est nous qui ne savons pas quoi faire avec cette puissance. Imaginons. Alors, moi, j'habite au 6e étage. Il y a un ascenseur. Si j'utilise l'ascenseur, et j'utilise plus mes muscles, et la faute, ce n'est pas l'ascenseur si j'utilise plus mes muscles. Et le même s'applique à l'univers numérique, qui a une puissance vraiment effrayante. Mais le fait aussi d'assimiler le cerveau aux machines numériques, ce sont des thèmes. Il faut questionner Jean-Pierre Changeux, le grand scientifique français, a écrit il y a 40 ans les hommes neuronaux. Et alors, de quoi parlait-il dans ses bouquins? Il dit qu'aujourd'hui, on n'est pas capable de passer du mental au néoral, donc d'annuler le mental pour aller au néoral. Et il dit aussi que le néoral fonctionne comme un ordinateur. Et cela est devenu notre réalité. Nous sommes vraiment persuadés qu'entre la machine et l'être vivant, il n'y a qu'une différence quantitative. Mais en fait, la différence qualitative réside en quoi? Il y en a une. Alors, il faut réfléchir sur ça. Il faut trouver ça. Mais c'est ça ce qu'il faut identifier le plus tôt possible. Alors, voyons voir donc les prochains thèmes, le deuxième thème. Et puis, je vous demande aussi donc de rester dans un temps de parole de 5 minutes chacun. Artefact technique. Miguel, je pars de toi. L'homme a toujours essayé de construire des objets pour modifier la réalité et l'améliorer. Aujourd'hui, pour la reproduire dès le début avec la production synthétique. Quelle est la relation à la technique et aux nouvelles technologies? Tu as déjà un petit peu entamé la réponse, mais tu peux continuer. En fait, l'homme, de par ses processus, arrive aussi à se modifier lui-même, car
Prenons l'écriture. L'écriture a changé l'homme, même d'un point de vue neurophysiologique. Ces changements sont des co-changements, des coproductions. Donc, le problème est qu'aujourd'hui, les machines fonctionnent parfaitement et arrivent à faire beaucoup de choses. Par exemple, voilà, revenons aux ascenseurs dont la fermeture des portes est automatique. Mais la vraie question n'est pas si les machines fonctionnent bien ou mal, mais le vivant en général et l'humain en particulier ont une nature qui n'implique que le fonctionnement, mais plutôt l'existence. Et le fait d'exister implique l'angoisse existentielle reliée au fait d'être là, de chercher un sens et de ne pas savoir pourquoi on est là, et toujours rongé par des dilemmes éthiques, politiques, de tout type. Et alors, il y a donc un espace, disons, de non-fonctionnement qui est généré tout simplement par les simples faits d'exister, et cela n'a aucune importance pour les machines. Voilà pourquoi nous devons faire attention à ces désirs de nous rapprocher de plus en plus des machines, car il y a aussi l'adaptation, le fait d'essayer de s'adapter. Oui, j'en profite aussi pour améliorer mon italien. Le fait de s'adapter à l'environnement tout autour est un fait, mais en fait, le vivant existe d'une certaine façon. En fait, il s'adapte dans la co-conception du monde. Par exemple, donc le défaut pour l'humain n'est pas donc un problème. Cela concerne la relation à l'autre. Oui, un défaut structurel n'est pas un problème. Par contre, pour les machines, les choses, il y a des erreurs, les choses marchent ou marchent pas. Voilà pourquoi il faut faire attention à la relation aux machines et surtout aux machines digitales numériques, parce que la machine numérique représente une rupture par rapport à la technologie. Il faut penser au logiciel et pas au matériel. Et les logiciels, c'est quelque chose de spécial, car le test de Turing implique quelque chose qui n'a ni de corps ni d'espace et donc qui n'a rien à voir avec nous. Paolo, l'évolution de l'homme de par des artefacts se passe depuis toujours. J'aimerais bien avoir donc une vision positive de la technologie, car aujourd'hui, il y a trop des prophètes chagrins sur la technologie. Il y a eu au début du XXe siècle plusieurs philosophes comme Galen qui voyaient les artefacts technologiques comme un signe de la faiblesse humaine. Alors, on ne court pas aussi rapidement que certains animaux. Et donc, par exemple, l'artefact technologique semblerait être, disons, la meilleure façon de pallier à notre infériorité. Mais alors, comment pourrait une espèce inférieure être capable de faire tout ça? Et alors, je désire vous raconter une petite anecdote. Alors, j'ai rendu visite à mes confrères au Sri Lanka. Et l'une des choses les plus fascinantes qui me sont arrivées a été de voir donc la pouponnière des éléphants. Et il y avait donc ces éléphants qui n'avaient plus, disons, de parents. Et alors, ils étaient élevés, ces éléphants, dans les pouponnières. Et je pus donc allaiter donc un bébé d'éléphant. Ben, imaginez donc un bébé d'éléphant qui a la taille d'un véhicule utilitaire, qui donc mange 25 litres de lait à la fois. Et il y a donc ces éléphants, par exemple, qui à un moment donc donné court vers quelqu'un dans la rue pour disons l'embrasser métaphoriquement. Et voilà.
Ça, c'est une expérience dont je me souviens, mais par rapport à notre biologie, on a du mal à se souvenir de tout. C'est comme si on était un excédent. Si on ne veut pas donc perdre tout, il faut quelque chose de spécial. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Pour ne pas oublier tout, on prend peut-être un stylo et un bout de papier et on écrit les choses. Et donc, l'histoire de l'homme, c'est une histoire donc d'excédent. Et par exemple, on a utilisé pour la technologie, par exemple, pour donc créer des objets capables de nous aider à gérer notre excédent. Alors, il y a des objets artificiels et on a partagé la réalité entre naturel et artificiel. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on est un peu sollicité aussi par ça. Lors des Pâques de 1856, un étudiant du Collège royal de chimie, pendant les vacances de Pâques, donc, essaye de créer une substance pour donc lutter contre le paludisme. Et donc, la quinine est la substance qu'il essaie de créer. Et il se rend compte que la quinine ne marche pas pour le but qu'il avait imaginé, mais arrive à très bien donc tanner les tissus blancs. Et alors, la couleur mauve qui en résulte a un pouvoir commercial, un potentiel commercial énorme. Alors, il obtient un brevet et les couleurs synthétiques donc sont nées. Et voilà. Tout était soit artificiel ou naturel. Et puis, on a les synthétiques qui n'est ni à 100% artificiel ni à 100% naturel. Un diamant synthétique, on n'a pas du mal à, on a du mal à discerner donc d'un diamant vrai. Tout d'abord, c'est impeccable. Et puis, il y a un numéro de série gravé au laser. Ce sont les deux seules caractéristiques qui nous montrent qu'un diamant est synthétique et pas naturel. Aujourd'hui, on crée tout. On a des aliments, des produits alimentaires synthétiques, des vernis synthétiques. Et puis, Synth 2.0, c'est le premier être vivant créé dans un labo qui n'existe pas en nature grâce à un code génétique donc, qui a été conçu de façon synthétique. Et l'on revient donc à l'histoire d'avant, car quand Shannon a créé la notion d'information, la différence qui fait la différence, Schrödinger, prix Nobel pour la physique, a dit tous ceux qui ne se détériorent pas et donc qui a une entropie négative, car donc Shannon était parti de l'entropie de Maxwell, doit avoir des informations en son interne. Et alors il fait la théorie que l'être par entropie négative par excellence, les vivants, doit s'effondrer sur un cristal apériodique contenant et transmettant cette information. De jeunes étudiants de médecine en 1949 écoutent Schrödinger, lisent Shannon et cherchent ces cristaux apériodiques. En 1953, ils n'ont pas encore trouvé, mais ils trouvent une double hélice, c'était Watson et Crick, qui est la base d'information de la vie. Et à partir de 1953, donc, même le vivant est quelque chose qui code et décrypte des informations. Donc, en faisant les codages et le traitement des informations, donc, nous avons quelque chose qui est fait par l'homme et donc qui n'est pas naturel d'une certaine façon. Alors, quelles sont les limites de notre agir et qu'est-ce que cela signifie d'être vivant et d'être reproduit? Voilà, ça, à mon avis, c'est l'un des buts de cette rencontre, c'est-à-dire de poser des questions, non pas seulement donner des réponses, mais poser de nouvelles questions sur ce qui se passe. Je vais continuer donc avec le prochain thème. Réalité, imagination. Je reviens à Miguel. Avec le langage, qui est une caractéristique fondamentale distinguant les êtres humains des autres êtres vivants, l'homme a la capacité d'exprimer le réel et l'irréel. La machine, avec sa logique binaire composée de 0 et de 1, peut-elle l'exprimer? Et surtout, est-elle capable de l'expérimenter en imprimant conscience? Parce que ça, c'est l'une des peurs des
à partir du film Terminator, après, c'est la peur que cette machine est consciente, va devenir consciente et va détruire tout le reste. Et cela va, nous mène à cette question, à nous poser cette question. En fait, un langage et l'imagination sont liés à la production de sens et de signification. Cela n'a rien à voir avec l'information qui peut être transmise par une machine numérique. Donc, je ne vois pas comment il peut y avoir une imagination sans le corps, sans l'angoisse, sans le désir. Voilà pourquoi cette science-fiction de la machine qui va détruire l'homme, qui va écraser l'homme, c'est quelque chose de très amusant, de très comique, parce que si on va se laisser écraser par la machine, ce n'est pas la faute de la machine, parce que la machine ne veut rien, ne désire rien, n'a pas de conscience, parce qu'elle n'est la machine n'a pas de conscience, la conscience humaine et animale est tout autre chose. Voilà pourquoi tu disais qu'il est important de se poser des questions. À mon avis, la première question, c'est que peut-être est-ce qu'on n'est pas en train de trop déléguer à la machine? Parce que déléguer les fonctions à la machine implique toujours des risques, c'est-à-dire le risque de devenir moins puissant, moins à même de faire les choses, moins à même d'imaginer. Et donc, on va confondre le langage et l'imagination avec un code. Et c'est ça qu'il faut questionner. Il y a une certaine jouissance dans le fait de devenir une machine. Maintenant, je suis en train de travailler avec un chercheur qui vit au Japon. Et il travaille en construisant des robots qui répondent. Des robots qui répondent. Il y a aussi des robots qui font de la psychothérapie. Et là, il y a aussi un problème de nature syndicale, disons pour moi. Et lui, il dit que les vieux Japonais préfèrent de parler, entre guillemets, disons, de communiquer, de changer des infos, disons, des informations avec le robot qu'avec un homme. Donc, nous avons entamé une recherche. Pas pour voir qu'est-ce que le robot a fait. Nous, on veut voir quelle est la relation cette relation avec le robot dans le cerveau du japonais, de l'homme japonais. Parce que il y a une modélisation de points dans la réalité qui est un flux, qui est un continu. Et cela s'applique à l'homme, mais non pas à la machine. Donc, la personne qui a une relation trop étroite avec la machine, peu à peu, change sa façon de percevoir le monde, de percevoir à soi-même pour après s'adapter à la machine. Et la machine ne gagne pas, ne désire pas, ne désire rien. Donc c'est l'homme qui va s'écraser lui-même et va perdre sa dimension. Et l'exemple même de l'habitude à utiliser le GPS, par exemple. Oui, nous avons mené une recherche qui n'avait pas de coût, donc c'était complètement gratuit. Voilà pourquoi on l'a fait. Vous savez, s'il y a une recherche sur les limites, les gens ne l'aiment pas parce qu'aujourd'hui, tout est possible, il n'y a plus de limites. Si tout est possible, rien n'est réel. Nous avons mené une petite recherche sur les, GPS. Nous avons comparé un groupe de chauffeurs de taxi à Londres et à Paris parce que c'est les deux villes principales. Le groupe de Londres continuait à conduire sans GPS. Le groupe de Paris a commencé à conduire avec le GPS. Bref, après 3 ans, tous les membres du groupe de Paris avaient les nœuds sous-corticaux qui cartographient le temps et l'espace atrophisé. Non, merci, hein, merci parce que ça c'est
comme parler à l'Académie. Et ce n'était pas le cas pour les membres du groupe de Londres. Mais s'il y a un GPS, si je peux déléguer au GPS cette fonction, pourquoi est-ce qu'il faut continuer à se poser des problèmes et il faut continuer à se perdre? C'est ça, en fait, la question, parce que le problème, c'est qu'avoir ces nœuds atrophisés, ça signifie ne plus pouvoir avoir des points de repère dans l'espace et dans le temps. Par exemple, un être humain qui a ses nœuds bien développés, en fait, ce n'est pas des citoyens, c'est des indios, c'est des paysans, ils sont à même de se retrouver dans un lieu où ils n'ont jamais été avant. Donc, de s'orienter, parce qu'ils arrivent à comprendre et à voir, à capturer des signes qui leur donnent des informations sur l'endroit où ils se trouvent. Alors, mes collègues et mes chercheurs ont dit, mais de quoi est-ce que tu parles? Oui, en fait, c'est comme ça. On est en train de déléguer de plus en plus aux ordinateurs, à l'ordinateur, et il y a un changement, une mutation. Dans ce sens, il ne s'agit pas d'avoir peur de la technologie, mais il s'agit de dire et de comprendre comment nous pouvons utiliser la machine sans m'atrophiser et sans perdre toutes les fonctions, mes fonctions, qui me rendent un vivant, un être humain. Comment est-ce que je peux ne pas être colonisé par la machine malgré la machine? Voilà. Là, c'est un thème qui est la conscience de l'être humain vis-à-vis de la machine. C'est ça la question qu'il faut se poser aujourd'hui. La question, ce n'est pas qu'est-ce que la machine peut faire, mais pourquoi, comment est-ce que l'être humain se porte vis-à-vis de la machine? J'étais à une rencontre où il y avait ce champion qui avait gagné contre la machine dans un jeu. Il y avait 9 chercheurs et on devait discuter la différence entre le mec qui était de Corée et la machine. Et le mec de Corée était là avec nous. Il y avait une grande différence entre la personne et la machine. Mais tout le monde disait que la seule différence était quantitative entre l'homme et la machine. Et ça, c'est comme un alibi. À mon avis, il y avait une grande différence entre l'homme et la machine. Mais quelle est la différence, m'ont demandé? Eh bien, avant tout, la différence, c'est que la machine n'a pas gagné parce qu'elle n'a pas joué. Parce que jouer, gagner, ce sont des choses qui ont un sens, et seulement pour l'être vivant et pour l'être humain. La machine fonctionne. Brièvement, si vous pensez à la relativité de Galilée, par exemple, mon ascenseur ne monte pas et ne descend pas. Monter et descendre, c'est justement, c'est tout simplement un sens que je peux donner à ce mouvement mécanique. Mais en soi, l'ascenseur ne monte pas et ne descend pas. Ce n'est pas qu'il ne marche pas. Ce n'est pas que mon ascenseur ne marche pas. Je veux dire seulement que monter et descendre est une signification seulement pour le vivant. Cela a un sens seulement pour le vivant. Oui, oui, nous avons très bien compris ce point. Merci beaucoup. Juste 2 minutes, même si c'est impossible, mais il faut le faire en 2 minutes, parce qu'on aimerait bien de continuer à parler de ces thèmes, mais il faut respecter les temps. Bon, je serai bref, et voyons voir si je peux le faire seulement en 2 minutes. C'est ce que Rilke disait dans les lettres d'un jeune poète, et il faut vivre les questions, et ça c'est important. Parce que cela, c'est la recherche du sens. Alors, j'ai 2 remarques. La première remarque, c'est sur le langage.
Dans les dernières 50 années, après Chomsky, après le changement linguistique, on s'est posé la question, pourquoi est-ce que nous avons un langage qui est tout à fait différent par les autres êtres vivants? Tous les êtres vivants communiquent. Il y a des singes qui font semblant d'être des lions et crient comme des lions pour voler les bananes des autres singes. Moi aussi, je suis un petit peu singe en ça, et moi aussi, quelquefois, j'ai le même comportement que les singes. Mais nous sommes la seule espèce qui a un langage syntactique. J'ai étudié aux États-Unis, j'étais avec les Italiens immigrés, et il y avait des gens qui, après 50 ans, ne disaient pas « orange », mais qui disaient « orange ». Mais toujours le sujet, le complément objet, et ils les utilisaient très bien. Pourquoi est-ce que nous avons un langage syntactique basé sur la syntaxe? Parce qu'on a une syntaxe qui marche d'une certaine façon, mais c'est comme si on prenait un marteau, on se demandait, parce que la poignée est faite d'une certaine façon, mais on n'a pas encore posé la première question. Mais à quoi ça sert le marteau? À quoi ça sert notre langage basé sur la syntaxe? L'italien est différent du français, du japonais, de l'anglais. Mais à quoi ça sert? Si je vous dis « sono triste », je suis triste, je vous montre quelque chose d'invisible en moi. Le mot donne des informations à votre imagination. Est-ce que je peux être un petit peu catholique en ça? Pour parler de Dieu, nous avons besoin du mot. Des mots, parce qu'autrement, on ne le voit pas. Voilà donc, la technologie du langage rend visible l'invisible. Et rend visible ce qui n'est plus avec nous. Bernard Russell disait que le chien ne peut pas dire qu'il est le fils de deux chiens. Si on parle de Napoléon, c'est parce que le mot rend visible quelque chose d'invisible. Nous avons l'histoire, donc... Le langage est la réalité technologique qui donne des informations dans l'imagination. Qu'est-ce que cela veut dire? Là, je pose seulement des questions et je vais vous donner la réponse la prochaine fois. La deuxième question concerne la machine et la conscience. Parce que, pour donner juste une petite réponse, comme Miguel le disait tout à l'heure, pourquoi est-ce que la machine qui a gagné à Go n'a pas gagné le match? Parce que la machine peut faire quelque chose que la machine ne peut pas faire. La machine peut être éteinte et réallumée. Si on éteint l'homme, on ne peut pas le réallumer. C'est ça la différence fondamentale. Voilà donc. Dans la théorie de la computation, nous savons que la machine de Turing peut calculer seulement les problèmes qui ont une capacité d'être interrompus. Comme la conscience est un processus continu et il n'y a pas d'interruption, ce n'est pas un processus de Turing qui peut être calculé. Terminé. Prochain thème. Conflit et société. Comment trouver des règles communes et efficaces dans le contexte d'aujourd'hui? Comment construire des chemins de concorde sociale, des chemins de construction? Il y a de plus en plus de conflits sociaux, de conflits au niveau des réseaux sociaux, de plus en plus réels, une haine de plus en plus vivante, un âge de la rage, comme la définirait Panka et Mishra. Qu'en pensez-vous? Miguel, c'est normal pour nous d'être dans une époque de violence, de haine, parce que c'est vrai, le futur, c'est une menace absolue. Hier, je parlais avec quelqu'un de ma génération et on disait que quand on était jeune, nous, être jeune, ça signifiait d'avoir un avenir, un futur fantastique, de justice, d'amour, de sens. Euh,
J'étais, par exemple, percussionniste dans un groupe musical. Après, j'étais médecin. Et maintenant, c'est complètement l'échec, où l'avenir est seulement une menace. Et c'est normal, donc, qu'il y ait de la haine, de la rage, de la violence. Mais la question, c'est comment on peut résister à tout ça. Et dans ce sens, la question commune est comment est-ce qu'on peut développer des liens avec les autres et avec l'environnement, par exemple. Mais quand nous avons peur, nous n'avons pas le désir de nous lier à quelqu'un d'autre. Quand on a peur, on se ferme à nous-mêmes et on cherche l'identité. Voilà, il y a toujours le problème de l'identité, les étrangers, nous, l'autre, l'ennemi. Nous avons besoin d'un ennemi parce qu'un ennemi, et ça je le dis pour les collègues, l'ennemi c'est le meilleur insolitique qu'on a parce que s'il y a un insolitique, il n'y a plus d'angoisse. Voilà pourquoi la haine est tout à fait normale dans une société qui a peur. Et comment est-ce qu'on pourrait s'en passer d'avoir peur? Donc la question du commun est comment développer un socle commun? Où est-ce qu'on trouve cette communauté possible? Bon, quelqu'un dit que le commun est donné par la nationalité, l'autre par la religion. Les universalistes continuent à dire qu'il y a un homme unique et par rapport à cet homme, tous les autres hommes et femmes doivent se mesurer, par exemple. Et cet humanisme s'appelle colonialisme dans les pays tiers. Donc il y a l'universalisme, il y a le relativisme, il y a l'individualisme. Donc comment est-ce qu'on peut produire le commun? Je pense que le commun, c'est qu'on peut construire ensemble dans un projet partagé. Et voilà, il faut prêter beaucoup d'attention parce qu'il est très facile de tomber dans la haine. La haine, c'est anxiolytique. La haine envers les autres, envers les migrants, avec les personnes qui sont d'une autre religion. Il faut faire attention parce que ce qui est commun est quelque chose qui se trouve devant nous dans la construction de quelque chose de commun. Voilà. Et la seule chose qui peut nous faire relever le défi de ce monde. Commun, ça ne signifie pas terminer avec les conflits et la conflictualité. Bien au contraire, la conflictualité, le conflit nous permet de développer la vie, d'aller de l'avant. Et le conflit empêche l'opposition, empêche que tout est opposition. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Chacun doit le faire de sa façon, dans son travail, dans sa vie, pour produire un sens commun dans un projet qui soit partagé. L'avenir n'est plus ce qui était auparavant. Mais c'est vrai qu'il y a aussi d'autres acteurs. Et là, je vous raconte une autre petite anecdote, parce qu'à mon avis, c'est intéressant. Et c'est l'histoire du grand moteur d'investissement dans la Silicon Valley, Peter Thiel, le venture capitalist, qui est à la base de la transformation des sociétés d'informatique dans le monde aujourd'hui. Et l'histoire de Peter Thiel commence quand il est parti à Stanford, à l'université. Il a rencontré un philosophe catholique, un petit peu hérétique, René Girard, qui avait été expulsé de la communauté européenne et, disons, de l'Europe. Et il est parti aux États-Unis pour enseigner. Et il a enseigné la théorie mimétique qui explique les conflits. Et il dit que chacun de nous ne veut pas une chose pour la chose elle-même, mais la désire parce que l'autre personne qu'il a, c'est un symbole et donc c'est ce qui fait cette chose désirable. Donc c'est l'image de Caïn et Abel, c'est cette image de la Bible. Il a oublié la lettre aux Juifs parce qu'il dit en fait que
pour tous les symboles, on admire l'autre personne et après on envie l'autre et donc d'où le conflit. Peter Thiel vient de l'Afrique du Sud et il aime cette théorie mimétique et donc il a créé PayPal. Il a créé PayPal et pour éviter le conflit dans PayPal, il change les rôles des managers tous les 6 mois. Après, entre-temps, cela est en 2008, il a rencontré un jeune homme, un nerd, qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui a créé Facebook. Et Facebook, il comprend, est la réalisation informatique de la théorie mimétique où je peux regarder l'autre, je peux l'admirer et après je peux le tuer à la fin. Et voilà, donc, on crée des mécanismes qui nous font suivre les autres, on crée les followers, les disciples. Et après, il y a aussi les shitstorms. Et le tout dans une plateforme qui draine de la richesse. Et est-ce que donc le conflit peut augmenter dans la société? En 2008, avec le printemps arabe, Twitter, c'était l'outil qui nous aurait libérés. En 2020, avec les révoltes de Capitol Hill, on s'est rendu compte que Facebook et les autres réseaux sociaux gagnent en jetant l'haine, en disséminant l'haine dans la société. Qu'est-ce que fait la plateforme? Elle nous fait créer des boules, disons, d'antagonisme, elle nous polarise et en même temps, elle crée un profit à partir de cette polarisation. Pensez à ce qui s'est passé avec les vaccins, avec les grandes questions, qu'on a dans la société. Donc, que faire? Que faire? C'était ça la question. Et là, je veux être un petit peu éthiciste. Si XXe siècle, les entreprises prenaient les ressources communes et rejetaient dans l'environnement les déchets et on leur a fait payer des impôts. Une entreprise qui prend, disons, l'accord au niveau social et sème la haine dans la société, alors doit payer pour le conflit qu'elle va réinjecter dans la société comme un déchet. Ce n'est pas seulement une absence de l'avenir, c'est aussi que quelqu'un est en train de gagner sur ça. Quand vous voyez les idées et les superpositions entre les idées de Miguel et de Paolo sont nombreuses, sont incroyables et surtout ouvrent des nouvelles pistes de recherche et de questionnement. Alors, voyons voir les prochains thèmes. Singularité, transcendance. La singularité, c'est la théorie du transhumanisme de Ray Kurzweil qui, avec la conscience humaine sur support numérique, voudrait éviter la mort, voudrait donc un être humain numérisé et une vie éternelle numérisée aussi. La singularité du vivant dont tu parles, Miguel, par contre, est autre chose, n'est-ce pas? De quoi parlons-nous donc? Alors, d'un point de vue mathématique, la singularité, donc, c'est un point où le chose change pour toujours. Donc, c'est ce qu'on appelle une catastrophe, donc un changement radical. Et donc, tout change, tout est agencé différemment après ça. Et le transhumanisme, l'on parle d'une vie sans mort. Et cette vie sans mort, c'est une non-vie parce que cela impliquerait aucune limite. Et dans la critique de la raison pure de Kant, il y a dans l'introduction une partie très intéressante. Et en critiquant Platon, Kant dit « Pensons à une colombe qui aurait pu peut-être voler mieux sans elle. Mais ce ne serait pas possible de voler sans elle. Mais comme ça, on
fait des amalgames entre les limites et donc les confinements. Alors, les limites posent des frontières, alors que le confinement empêche le développement de notre potentiel. Par exemple, si on empêche une colombe de voler, alors ça, c'est un confinement. Toutes limites structurant la vie et la société sont vues comme des confinements. Donc, une fois à l'Olympia, à Paris, il y a eu une conférence TEDx et j'ai parlé en dernier. Et il y a Laurent Alexandre qui a parlé avant moi, un chercheur et médecin. Il a écrit un livre qui s'appelle « La mort de la mort ». Et il a dit qu'on mourra plus. Et entre nous, il y a quelqu'un qui va vivre 1000 ans. Le public donc imaginait peut-être que ça aurait été son tour. Mais voilà un type d'avenir comme ça. C'est une barbarie. La vie sans limite, c'est une barbarie. C'est pas possible. Une pensée sans limite, c'est psychose. Donc voilà, une vie sans limite, c'est une barbarie. Alors, le vrai problème, c'est pas si effectivement on peut développer des nouveaux possibles, mais plutôt quelles sont les limites. Quelles sont les limites qui vont réordonner, réagencer ce monde qui change constamment. Donc, on vit un retour à la singularité, car tout ce qui était normal jusqu'à hier n'est plus normal. Mais à l'intérieur de ces nouvelles possibilités, effectivement, la singularité ne peut pas être suivie par le passage, la transition à un monde sans limite. La singularité consiste à connaître les spécificités du vivant. Ce qui caractérise le vivant et le rend tel. Et le vivant ne peut pas être conçu et construit comme une machine. Nous pouvons, par exemple, déposer ces micros et le reposer. Et voilà, on peut le faire avec un objet. Ben, on peut peut-être déposer un chat, mais on ne peut pas le reposer, le remettre ensemble. Et alors, la finitude du vivant n'est pas un confinement. La finitude, c'est la limite qui nous permet de donner du sens au ici et maintenant. Il faut donc se rapprocher de nouveau avec la finitude. Finitude ne signifie pas de la morale ou du conservatorisme, mais la finitude, c'est aussi une limite qui protège le vivant. Et c'est à l'intérieur donc de ces limites que les confinements peuvent être dépassés. Et alors, la transcendance n'est pas l'objet de ma recherche et de mes études, mais je pense que toute transcendance doit être vécue et considérée, et non pas comme donc un dépassement de l'au-delà, mais une transcendance à l'intérieur de l'immanence. Donc, voilà, une transcendance de par l'imaginaire, donc qui continue de concerner les ici et maintenant. Alors, la singularité, la transcendance, Paolo. Alors, je reviens sur ce que Miguel vient de dire parce que ça traduit parfaitement la passion pour l'homme. Donc, dire que la transcendance ici et maintenant, c'est la passion pour l'homme. Alors, revenons encore une fois à l'origine de l'information pour comprendre comment la transcendance est devenue donc une autre facette de l'information. Pourquoi? Parce que tout donc est un petit peu comme le test de Turing qu'on a écouté au début. Turing a dit,
Alors, c'est à partir de quel moment qu'une machine sera intelligente comme l'homme? Donc, ce sera quand l'homme, quand la machine va pouvoir faire des imitations comme si c'était un être humain. Et alors, donc, Turing, donc, met une machine et un homme derrière un mur. Et quand, à partir de mes questions, j'arrive plus à distinguer l'homme de la machine, alors cela signifie que la machine est devenue égale à l'homme. Mais ce type de question est quelque chose qui change radicalement notre façon d'être, une posture que nous avons vis-à-vis de la réalité, surtout en Occident. Car d'un côté, nous avons donc le préjugé donc, du fonds monnayeur. Car si une note à 5 euros ne peut pas être si une fausse note à 5 euros ne peut pas être distinguée d'une vraie note à 5 euros, est-ce que la valeur est la même? Si un robot ne peut pas être distingué d'une personne, d'un être humain, d'un être vivant, est-ce qu'alors le robot est comme un être vivant? Et alors, Platon, dans La République, nous explique que nous sommes tous donc dans une grotte et on voit des images qui donc nous confondent. Alors, la vraie connaissance, ce n'est pas de voir les images, mais de voir qui projette les images. Aujourd'hui, on se contente de quelque chose qui est suffisamment similaire pour confondre nos sens. Les problèmes de la transcendance qui disparaît et les suivants. Donc, les problèmes donc, du ciel qui est devenu un cloud, le problème de l'espoir en l'avenir et tout est devenu un backup, donc une sorte de sauvetage par les passés. Si on parlait de sauvetage, on parlait de quelque chose qui aurait pu se passer aujourd'hui. Sauver signifie ne rien perdre du passé, avoir fait un backup. Donc, même ce changement de la notion du temps, tout d'abord, provoque une disparition de la singularité, donc la copie est la même que l'original. Si tu veux mon fichier MP3, alors il n'y a plus d'unicité, on pourra faire des copies du fichier. Mais si l'unicité disparaît, alors même l'unicité qui est transcendance à l'immanence disparaît. Oui, j'aimerais bien rajouter un point. En fait, il faudrait faire un nouveau test de Turing. Et pour voir si la machine est véritablement capable d'être stupide comme les êtres humains. Le jour où la machine pourra être, arrivera à être stupide comme nous, donc esclave de passion, capable de désirer. Donc, si un jour la machine sera capable d'être stupide autant que nous, autant stupide que nous, alors ce sera un jour inquiétant. Bon. Car si une machine se limite à faire des calculs mieux que moi, ça pose aucun problème. Mais vraiment, je trouve que la stupidité, c'est cette caractéristique qui permet de créer, d'aimer, de créer de l'art. C'est cette stupidité qui, heureusement, pour l'instant, n'est pas reproduisible par une machine. Les machines n'arrivent pas à être stupides, heureusement. Si tu me permets un mot, donc je dirais que ce qui est dangereux, ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais la stupidité naturelle. Alors, on arrive donc au dernier thème qu'on voudrait aborder ensemble. Je le considère décisif, pas moins que les autres, mais je pense qu'on a déjà, disons, ressorti quelques arguments. Alors, voyons voir les derniers thèmes. Impact pour l'humain. Alors, on est au meeting de l'amitié entre les peuples et le meeting résulte de l'idée d'une amitié possible entre des hommes différents, de tout genre, toute race, toute culture, toute tradition. Animé par un questionnement pour la recherche du sens. Alors, le défi auquel on est confronté aujourd'hui est le suivant. Comment pouvons-nous repenser le processus éducatif socio-productif, mais surtout l'importance de relations et de l'amitié entre les hommes aujourd'hui, comme ici, comme maintenant, comme nous, à ces moments précis. Car
Au début de cette rencontre, on a parlé de l'être humain qui est en crise. Mais pour réagir à ça, il faut un pacte. Il faut donc essayer de concevoir une réponse possible. Miguel, qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'il faut tout d'abord oublier toutes les utopies concernant l'amour universel qui va arriver et qui va, disons, peut-être tout résoudre. On a mal conçu l'humain. On avait imaginé l'humain capable de laisser de côté le négatif, la stupidité. Mais par contre, voilà, il y a la stupidité, la violence qui fait partie de nous. La justice, l'amour, la création sont possibles, mais ce n'est pas possible si on ne veut que ça. Si on voulait la lumière sans ombre. Alors, c'est ça le défi. Comment, après des siècles de désir de lumière sans obscurité aucune, comment pouvons-nous imaginer un être humain vrai, authentique, susceptible d'éprouver non seulement l'amour, la passion, l'amitié, mais qui élabore aussi de la haine, du conflit et du négatif. Alors, je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à une construction possible, à éviter la destruction, il faut tout d'abord, de façon mûre, assumer ce type d'être humain complet, sans couper ou éliminer les facettes qu'on ne voudrait pas, donc sans faire un choix sélectif des côtés humains que l'on voudrait. Donc il faut assumer la totalité de l'être humain qui inclut aussi le négatif. C'est le timer qui incombe sur nous. Il n'y a plus de temps, je suis tout à fait d'accord avec ça, qui dans notre tradition chrétienne s'appelle le drame du péché. La machine, c'est quelque chose qu'on utilise, qui a un but. L'amitié naît si l'autre n'a plus de but, mais a un sens. Voilà, donc, il faut découvrir à nouveau que si je touche une table, je touche quelque chose, c'est quelque chose. Mais si je touche une personne, c'est quelqu'un, je touche quelqu'un. Je touche et je suis touché par quelqu'un. Donc, ça, c'est quelque chose de réciproque. Voilà, donc, je peux utiliser du fer, mais je dois accueillir la personne. Et donc, tu demandes à moi de comprendre moi-même. Donc, là, je suis un petit peu un partisan. Ça, c'est San Francesco qui a demandé pour toute sa vie qui est tout, qui je suis. J'ai vu l'expo de Don Giussani hier et lui aussi, il parle du toi et du moi. Et c'est un toi, tu qui nous provoque et qui nous fait faire des choix très chers, peut-être le choix d'une guérille ou bien d'un partenaire pendant toute notre vie. Et ça, c'est la seule façon, c'est le fait d'être réciproque pour découvrir qui je suis et quelle est la valeur du toi, de l'autre. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que ce qu'on a dit au début, deux hommes passionnés, et ça, on l'a vu pendant cette rencontre. Et le titre du meeting de cette année, c'est « Une passion pour l'homme ». Le mot « passion » partage l'étymologie avec d'autres mots. Dans le mot « passion », on a... par exemple, la passion érotique, la passion de l'amour, quelque chose qui brûle, le feu. Mais dans le mot passion, il y a aussi le thème de la douleur, de la souffrance. Et dans le mot passion, on trouve aussi la patience, parce que la racine étymologique contient les trois choses. C'est-à-dire la patience, attendre envers quelque chose. Et ce n'est pas attendre le bus ou bien le train, mais un engagement. Ce que Mizel disait, le fait d'être être en pied, y être.
être en pied, continuer à regarder et continuer à chercher un sens qu'on peut trouver dans la vie, rester debout et construire, bâtir, développer une amitié qui peut changer le monde. Merci. Merci beaucoup à tous. Je vous rappelle que le meeting est une rencontre d'amitié et de culture et pour continuer à exister, il est complètement gratuit dès le début, dès son première édition en 1980. Et donc, le meeting a besoin de votre aide. Donc, vous pouvez trouver partout des points Dona Ora, donner maintenant, et vous pouvez contribuer à nous aider. Et un grand applaudissement à nouveau à Paolo et à Miguel. Merci beaucoup. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il grido. Aspettavano così. Perché credo in quello che dico. Questo e basta? Sì. Don Giussani ha generato un popolo e io faccio parte di questo popolo. L'avvenimento in cui Dio entra nella nostra esistenza. Sospendo per un istante l'ora e guardo dalla parte da cui viene il